Eh bien salut tout le monde les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc comment avoir des V-Bucks, donc comment avoir 10 000 ou 20 000 V-Bucks gratuitement et très facilement. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo, c'est un glitch très simple à faire et il n'y a aucun risque de bannissement. Donc ce que je vous demanderai les gars comme d'habitude, c'est là de poser 5 minutes, voilà. Prenez juste 5 minutes de votre temps pour faire ce glitch et à la fin vous n'allez pas le regretter. Vous allez avoir vos V-Bucks et vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez. Si vous avez 10 000 V-Bucks, vous pouvez acheter le pass de combat, d'autres skins, vous allez vous faire plaisir. Donc ce que je vous demanderai, c'est juste prenez 5 minutes, ne quittez pas la vidéo dès maintenant, ça serait vraiment dommage. En plus là, ce glitch il marche même pour 2024, donc si vous regardez la vidéo en 2024 ça va marcher. Donc voilà, prenez 5 minutes de votre temps, c'est pour vous, ça va vous faire plaisir. Et puis voilà, donc avant que cette vidéo ne commence les gars, il y a quelques étapes pour réaliser ce glitch en fait. Il y a la première étape, donc la première étape comme d'habitude c'est de mettre le code créateur. Donc là vous le voyez, donc pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, donc ça c'est une étape très importante les gars. Donc je vais vous le faire avec vous là, on va dire que vous n'avez pas de créateur. Donc pour la première étape du glitch, vous allez mettre le code LEGRANU, donc le granu, voilà, vous mettez comme ça et là ça va marcher. Donc là c'est parfait, là vous avez fait la première étape, c'est juste ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas les gars, vous ne pourrez pas remporter les V-Bucks, donc vous ne pourrez pas réussir le glitch en fait. C'est la première étape. Si vous passez directement à la deuxième étape, ça va pas marcher. Donc voilà, donc on va dire que vous l'avez fait. Donc moi voilà, je l'ai fait, parfait, ça prend une seconde. Maintenant ce qu'on va faire les gars, c'est on va aller dans les modes. Donc là vous allez avoir le menu ici. Ce que vous allez faire en fait, vous allez cliquer dans Battle Royale. Donc voilà, là c'est très simple, voilà, vous êtes d'accord les gars, c'est très simple, il y a rien là. Vous allez aller en section et vous allez mettre ne pas combler. Voilà, donc là on va mettre non et vous allez faire jouer. Voilà, donc voilà, c'est très simple. Vous allez faire ça, ça c'est la deuxième étape. Et faudra se rendre dans une ville. Donc je vais vous montrer. Là on attend que la partie se charge. Je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Également les gars, donc ça c'est une petite parenthèse pendant que le jeu se charge. Tous ceux qui veulent des cadeaux, des passes de combat, des skins, tous ceux qui veulent que je leur offre des cadeaux, voilà, j'offre des cadeaux aux abonnés. Donc pour ça c'est vraiment très simple. Vous devez faire quelques petits trucs, donc très simple. Voilà. Donc vous devez mettre le code le granu. Donc c'est le même code que dans le glitch. En fait, c'est le même code. Donc si vous avez mis le code pour le glitch, voilà, vous avez déjà fait la première étape pour remporter des cadeaux. Très simple. La deuxième étape, c'est vous devez mettre un like sur cette vidéo. Donc vous posez un like, vous mettez un like sur cette vidéo. La troisième étape, c'est de mettre votre pseudo Epic Games dans les commentaires. Comme ça, je puisse savoir à qui j'offre le cadeau. Comme ça, je peux vous ajouter et vous offrir un cadeau. Voilà, parce que si je sais pas, si j'ai pas besoin de votre pseudo, je peux pas vous offrir de cadeau. Ça semble logique. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. Et la dernière étape, en fait, c'est de tout simplement, les gars, vous abonner. Donc dans la description, il y aura mon lien. Et aussi dans les commentaires, il y aura le lien de ma chaîne Kick. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, Kick, c'est une plateforme de streaming. Voilà, vous abonnez. Vous créez juste un compte. Vous créez un compte avec Google. Voilà, vous connectez sur Google. Vous avez un compte Kick et vous abonner, ça prend maximum une minute, c'est gratuit en fait, c'est gratuit, c'est comme YouTube, juste vous abonner. Et la dernière étape les gars, si vous avez fait tout ça pour couronner le tout, voilà, pour que votre participation soit validée, vous devez m'envoyer tout ça sur Instagram. Donc vous êtes comme quoi vous avez liké, comme quoi vous avez mis mon code créateur, donc vous prenez une photo comme quoi vous avez mis mon code créateur, vous prenez une photo comme quoi vous avez mis un like. Donc là on va aller les gars dans cette ville, donc vous allez vous rendre les gars dans cette ville ici, donc c'est Pleasant, je sais pas quoi, voilà, donc vous allez vous rendre là-bas. Donc c'est très important pour le glitch, vous allez vous rendre ici, que comme je disais, donc on revient sur les cadeaux. Donc oui, donc vous devez m'envoyer comme quoi vous avez liké la vidéo, comme quoi vous avez mis votre pseudo Epic Games, comme ça je puisse voir à peu près c'est qui. Et vous mettez mon code créateur et vous vous abonnez à ma chaîne Kick. Et quand vous êtes abonné à ma chaîne Kick, vous m'envoyez également les preuves sur Instagram. Mon Instagram, il est en description, c'est le granu. Donc comme le code créateur, vous mettez le granu sur Instagram et vous allez tomber sur mon compte. Donc voilà les gars, donc là une fois qu'on a fait ça en fait, donc dans la ville, ce que vous allez faire, vous allez simplement voilà faire le Bambi, voilà, vous jouez comme ça. Vous faites un peu n'importe quoi, en fait, faut juste jouer normalement et vous allez trouver une personne et vous allez mourir en fait. Il faut que la personne vous tue, voilà. Donc là on va le laisser nous tuer, voilà, donc il nous a mis quelques coups de pioche, donc là parfait, on est mort, donc là c'est parfait. Vous allez tout simplement ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur échappe, donc ceux qui sont sur PC, vous allez faire retourner au salon, oui, voilà, donc là on va retourner au salon, on quitte la partie et on va retourner dans le salon, donc dans le lobby du jeu. Donc là ce qu'on a fait, donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez c'est quoi cette étape maintenant. Là les gars, j'ai un nouveau code en fait, j'ai un nouveau code parce qu'il y en a pour qui ça a marché, donc mon ancien glitch pour les V-Bucks, mais il y en a pour qui ils ont eu des difficultés. Donc là j'ai retrouvé un glitch. Donc en fait là, en fait, si vous êtes sur PS4, normalement il y aura écrit écrire un message, ou alors il y aura écrit à peu près la même chose, quelque chose de similaire, mais en tout cas je sais pas c'est quoi exactement sur PS4. Donc tous ceux qui savent, mettez dans les commentaires pour aider les autres. Mais en tout cas moi je sais que sur PC et sur ouais sur PS4 c'est à peu près la même chose. Il y aura marqué saisissez du texte ou je sais pas. Nous ici c'est écrire un message. Là ce qu'on va faire, on va marquer V-Buck sans le S, très important. Vous allez faire point, vous allez mettre un slash, là vous allez écrire une série de chiffres, vous allez écrire les chiffres suivants: 54 82 36 19 002. Voilà, donc vous allez faire ça et une fois qu'on a fait ça les gars, on va tout simplement écrire, vous allez écrire F4 étoile ou astérix, ça dépend de comment vous l'appelez. Vous allez mettre ensuite O N 8 et vous allez mettre à la fin
1-0. Donc ON80. C'est juste ça en fait. Là vous allez faire envoyer, donc mettez pause à la vidéo, comme ça vous pouvez recopier le code tranquillement. Donc nous on va l'envoyer, voilà. Et dès qu'on a fait ça, il y a une dernière étape. Donc là on a fait presque tout, il manque juste une dernière étape. Vous allez refaire la même chose, vous allez mettre jouer. Donc là on va se rendre dans la section sans combler. Voilà, donc c'est très important, vous allez mettre ne pas combler. C'est très important, si vous vous retrouvez dans la partie avec des gens, vous devez refaire le glitch. Donc c'est très important, sinon voilà, faut tout recommencer, c'est un peu compliqué. Et puis c'est tout. Donc là je vais attendre, donc je vais mettre pause à la vidéo et on se retrouve les gars quand on est dans le jeu. Donc là c'est bon, on est dans le jeu. Donc également les gars, pour ceux qui savent pas c'est quoi, donc on va revenir donc pendant que le jeu va se lancer. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Kick, en fait c'est un truc comme Twitch. Voilà, donc abonnez-vous parce que je vais bientôt faire des lives là-bas. Donc abonnez-vous en masse, pour l'instant je crois on est que une vingtaine d'abonnés. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, le lien est dans la description et dans les commentaires. Donc ça c'est pour ceux qui veulent remporter des cadeaux. Voilà, donc si vous voulez pas remporter de cadeaux, il y a pas de souci. Hop, donc là ce qu'on va faire les gars, on va se rendre dans la même ville. Donc c'est Pleasant Piazza, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc on va aller là-bas. Là ce que vous allez faire les gars, c'est vous rendre là-bas déjà. Donc on va mettre le planeur. Donc là on est arrivé donc dans la ville. Donc on va arriver, donc la seule chose que vous allez faire en fait, c'est vous allez spawn et vous allez ouvrir un coffre. Bon voilà, donc ça peut être n'importe quel coffre. Vous ouvrez juste un coffre et c'est bon. Ensuite je vais vous dire ce que vous allez faire. Donc là cette méthode elle peut être un peu, cette étape elle peut être un peu difficile. Si vous avez la poisse, vous pouvez vous faire éliminer facilement et vous devrez recommencer. Donc on va faire ça vite. S'il y a un petit coffre. Non, il n'y en a pas ici. On va essayer de monter à l'étage. J'espère qu'on va pas se faire avoir. Hop. Pour l'instant, je vois pas de coffre. Hein. Je vois pas de coffre. Pour l'instant, c'est un peu chaud, les gars. Je vous mens pas. Il nous faut un petit coffre, là. Franchement, il nous faut un petit coffre. Après, c'est bon. Là, on cherche. Franchement, on va aller là. On va aller là-haut. Hein. Hop. Pas de coffre. On a un peu la poisse, quand même. On va essayer de voir. S'il n'y a pas un coffre. Je sais pas si on est allé ici. Mais on va se rendre vite fait. S'il n'y a pas un petit coffre, s'il vous plaît, un petit coffre. Voilà, c'est bon, il y a un coffre. Donc là, on va l'ouvrir. Parfait, on a eu de la chance. Hein. Franchement, on a eu de la chance parce que là, les gens, ils ont pris presque tous les coffres. Donc là, ce que vous allez faire, voilà, parfait. Maintenant, il peut me tuer, il n'y a pas de souci. Mais bon, il est un peu nul, on va quand même le tuer de nous. On va se le faire tout seul. Voilà, mais en tout cas, là, c'est juste pour que je voulais jouer un petit peu. Mais là, en fait, vous devez vous faire tuer, là. Vous devez vous faire tuer. Si vous tuez une personne ou deux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous devez vous faire tuer. Donc, ou alors, si personne est là, vous devez simplement construire un max et vous allez tomber. Donc là le mec qui me regarde là en bas à gauche, il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait lui, je sais pas pourquoi il fait ça. Donc là nous on sait pourquoi on fait ça, c'est tout simplement pour avoir les V-Bucks. Donc là on va se rendre dans le lobby et là normalement si vous avez bien fait la méthode, bah le glitch a fonctionné. Voilà, donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez quitter le jeu. Donc là je vais pas quitter parce que je suis en train de faire la vidéo, mais vous allez quitter le jeu et vous allez revenir quelques heures plus tard, voire max le lendemain. Voilà, donc quand je fais cette vidéo, on est le 31, donc quand je vais relancer max, ce sera le 1er janvier. Donc normalement quand vous allez relancer le jeu, vous allez avoir votre compteur de V-Bucks qui aura augmenté et vous avez reçu 10 000, 20 000, 13 500, en tout cas plus de 10 000 V-Bucks, ça c'est une certitude. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était le Granu et on se retrouve pour un prochain glitch. Allez, ciao les gars.